Hello tout le monde les amis, c'est Pentagonix, j'espère que vous allez bien, moi comme d'habitude ça va super. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo de Clash Royale. Alors j'ai mis mon écran en vertical parce que je voulais pas trop faire d'overlay, voilà j'avais pas trop le temps. Donc voilà, ce sera beaucoup mieux pour vous. Alors déjà on va se débloquer un petit coffre. Donc voilà, on fait un petit retour sur Clash Royale pour voir comment le jeu a évolué. Donc il y a vraiment plein de choses à voir. Ok. Ça, c'est un deck avec la guérisseuse. Il y a des cartes boost. Ok, on va voir ça. Le shop, ça n'a pas changé. Il y a beaucoup d'offres. Il y a des cartes, des emoticons, des coffres. Donc voilà, ça n'a pas changé. Ensuite, là, on a un événement dans le combat amical. Dans les nouveautés, ça n'a pas trop changé non plus. Ouais, ça ressemble quand même à l'époque où j'avais joué. Ça date d'il y a un an quand même, hein. La dernière fois que j'ai joué, c'était il y a un an. Là, j'ai une nouvelle emoticon, c'est le coq, parce que je me suis connecté à Supercell ID. Donc voilà, ça fait plaisir. Ensuite, qu'est-ce que je pouvais faire? Il y a aussi un pass de combat, en fait. Ça, c'est le pass de combat. Ouais, bon, moi, je le paye pas, hein, parce que c'est assez cher. Donc voilà, c'est assez cool. Le pass de combat, j'avais totalement oublié qu'il y en avait un sur Clash Royale. Et ouais, voilà, il coûte 5,49€, donc voilà, 5,50€. Le pass de combat, vous pouvez avoir des coffres, des skins de tour, des emoticons exclusifs, des boosts. Enfin, on peut avoir pas mal de choses. Mais bon, moi, je suis un compte free to play, un compte gratuit. Voilà. Alors ça, c'est mon clan. Il est pas très, très actif. En même temps, il n'y a pas beaucoup de monde, hein. Moi, je suis resté dedans, mais ça fait un an que j'y ai pas joué. Ok, il y a des guerres de clans aussi. J'espère que vous vous rappelez des guerres de clans. Il y a des tournois. Ok, ça peut être cool. Un petit tournoi mondial de la saison 10. Ça peut être cool, ça peut être à faire. Avec des récompenses, pareil, des récompenses gratuites. Et des récompenses pour le pass de combat. Donc voilà, c'est... Il y a quand même pas mal de choses, hein, pas mal de récompenses. Mais bon, faut payer pour pouvoir les récupérer. Donc voilà, on va... Peut-être faire des games, je pense que c'est ça ce qui vous intéresse. Alors dans la fiesta, il y a des combats 2 contre 2. Alors il y a combat élixir illimité. Ça peut être cool, hein. Un combat élixir illimité. On va tenter ça tout à l'heure. Alors d'abord, on va essayer de voir un peu les cartes. Les cartes, comme vous voyez, il y en a quand même pas mal, hein. Il y en a beaucoup. Cette carte-là, j'ai débloqué, voilà, à l'instant, c'est une des dernières cartes qui est sorti dans le jeu. Et donc voilà, je pense qu'on va se l'essayer. On va un peu regarder les emotes, je crois. Regardez les emotes. Celle-là, je l'avais jamais vue. Qu'est-ce qu'elle fait? Ok, il y a juste ça. Donc pareil, les emotes, il y en a vraiment vraiment plein. Vous pouvez les gagner dans des défis, vous pouvez les acheter dans le shop. Il y a aussi des boosts de créateurs. C'est comme sur Brawl Stars. Voilà, vous avez des boosts de créateurs pour que les créateurs, les youtubeurs puissent mettre en avant leur contenu. Moi, je peux pas changer de nom. Ça, c'est dommage. Parce que j'ai mon vieux nom de merde, on va dire. Excusez-moi pour les mots. Enfin, bref. Maintenant, on va essayer de se faire un deck. Alors, on va prendre celui-là. On va essayer de refaire mon deck. Voilà, mon ancien deck. Donc, on va essayer de reprendre les cartes thème. Il y avait le ballon max, il y avait la boule de feu, il y avait le mineur, le cochon. Il y avait le zap, bien sûr. Il y avait le sorcier aussi. Ensuite, qu'est-ce que j'avais? J'avais l'armée de squelettes aussi. Et là, il m'en manque une. Je vois plus que c'est. Mais il m'en manque une, ça c'est sûr. Là, je vois vraiment pas. Non, je vois pas. J'ai oublié ce qui me manque. À la place du prince. Ah si, c'est les chauves-souris. Les chauves-souris. Voilà, donc c'est un deck qui est quasiment disponible à partir de l'arène 5. Hein, voilà, et c'est vraiment un deck simple à jouer. Dès que vous êtes en élixir x2, ça passe. Mince, ici on a un petit bug de Google Play. Toc. Je sélectionne mon compte. Ok. Ça va. Donc en fait, on est en ruée vers l'or. Ça veut dire qu'à chaque fois que vous prenez une tour, vous gagnez de l'or. Donc voilà, ça c'est Clash Royale, hein. Ça c'est l'époque de Clash Royale. 2 minutes 30 il reste. On attaque comme ça. Ça fait longtemps que j'ai pas joué, hein. C'est exactement mon tout premier combat. J'ai plus l'habitude.
Faut que j'apprenne à gérer les lectures, ça c'est chaud. C'est vraiment chaud. Et merde, ah ouais, chaud. Je crois que si je fais ça... Ouais, je détruis... Non, je détruis pas son... Son sorcier, il est pas mort. Ok, ça va, j'ai encore les bons timings. Bon, il prend ma tour, c'est dommage. Mais j'ai encore les bons timings de placement de cartes, donc ça c'est cool. Après c'est un deck quoi, quand vous jouez votre deck, que vous connaissez bien votre deck, ça revient très facilement. Ah ok, le mec il joue une roquette comme ça. Ah d'accord. Ok, pourquoi pas, nous on va réattaquer avec un cochon mineur. On prépare le zap. Ok. Bon, il a bien défendu. Hein. Franchement, là, il a bien défendu. On est un peu mal. Il reste 1 minute 30. Ouais. Je pense qu'on va bien galérer, là. Ouais. Je peux pleurer. Là, il a plus rien pour défendre le ballon. À part le sorcier. Donc, si je fais ça... Bon, je vais défendre... Non, je sais pas. Allez, mets ton sorcier. Bon, j'ai dû défendre. J'ai dû défendre. Mon ballon, pardon. Il va quand même taper. Ça, c'est cool. Ouais. Super combat. Ah ouais, donc le mec, il croit avoir gagné. Le mec, il croit avoir gagné. Mais moi, c'est... Je vous le dis, c'est pas mon dernier mot, ok. On va mettre ça là-bas. Voilà. Comme ça, il est mal. Oh oui, là, il est mal. Il a mal mis son truc. Yes. Ok, déjà, la tour, on l'a prise. On revient à égalité. Et l'autre tour, on l'a vraiment, mais vraiment bien touché. Là, je pense qu'on est bon. Là, je pense qu'on est bon, les potes. Franchement, là, si ça le fait pas. Il reste 30 secondes. Allez, on rush comme ça. Un ballon ici. Il vient de perdre tout son élixir. Allez, allez, on est en x2, là. Faut tout péter. Voilà, il n'y a même pas le temps. Et nickel. Nickel. Allez, il reste 15 secondes. Allez, allez, allez. Bon, bah là, on a gagné, hein, les potes. Je sais vraiment pas ce qu'il fait. Ah bah tiens, enfin, il met une attaque. Bon, bah c'est la victoire, les potos. On perdait au début. Et c'est la victoire. Dommage, on n'a pas eu le temps de faire un 3 couronnes. C'est bien dommage. Et bah voilà, les potos. Petite victoire. What? Regardez-moi, leur bonus. Chaud. Leur bonus, c'est vraiment chaud. Donc, en fait, c'est un événement, si vous voulez. Comment dire? En gros, c'est un événement qui dure quelques jours. Voilà. Il y a aussi une Trophy Road. Voilà, la route des trophées. C'est comme ça qu'on dit en français. Et donc, voilà, il y a quand même beaucoup de chemin. Moi, je suis Ligue 2 quand même. Et mon deck fonctionne toujours. Alors qu'il est disponible à partir de l'arène 6, quoi, de l'arène 5. C'est vraiment, vraiment cool. Ok les potos, je viens de me faire un deck avec toutes les nouvelles cartes, toutes les cartes que je n'ai jamais jouées, toutes les cartes nouvelles, toutes les cartes qui sont sorties il y a pas longtemps sur Clash Royale. Ok, le mec il commence tout de suite. Alors je joue des cartes, je sais même pas à quoi elles servent. C'est quand même fou. Je sais pas si on va la gagner, parce que là on est franchement mal. Il y a, ouais, franchement on est franchement mal. Il y a des cartes de guérison. Comme la guérisseuse qui était là sur Clash of Clans. L'esprit de guérison. Alors ça c'est un golem d'élixir. Je crois que quand il pète. Donc c'est comme un golem. Mais quand il pète je donne de l'élixir à mon adversaire. Et c'est chaud. Bon là franchement je laisse le cochon attaquer. Je sais pas si c'était une bonne idée. En tout cas on attaque sur la droite. Ça fait pas. Ça fait vraiment pas grand chose hein. Surtout qu'on n'a pas de sort. Les sorts, c'est super important. What? La bûche, elle tue tout le monde. Ça, c'est nul. C'est dommage. Ouais, c'est vraiment dommage. Donc là, le mec, il récupère plein d'élixirs. Ça, qu'est-ce que ça fait? J'ai l'impression que ça n'a pas fait grand-chose. En bref. Ok, donc la cage à gobelins... What? La boule de feu, elle tue la cage à gobelins. Ok, donc le mec, en fait, il s'est très très bien joué. Je suis sûr, il doit se moquer de moi parce que il est que niveau 9. Moi, je suis niveau 12 et je galère à jouer. Là, j'avoue que je suis un peu mal. On va essayer de partir par là. De toute façon, la tour, il va l'avoir un jour ou l'autre. Ok, il a mis sa bûche. Donc ça, c'est cool pour nous. On va essayer d'attaquer comme ça. Oh non, mon esprit, il est parti de l'autre côté.
Allez, allez. Allez, la roquette. Allez. Oui, la roquette, elle tape. Mais what? La bûche, elle est trop forte. Je comprends rien du tout. Je joue plein de troupes que la bûche tue en 2-2. Bon, lui, il a pris ma tour facile. Franchement, là, les poteaux, je suis en galère totale. Je n'ai jamais vu ça. Bon, je vais essayer de m'en sortir quand même. D'ailleurs, les poteaux, si la vidéo vous plaît, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu. À vous abonner aussi, ça fait plaisir. De base, je fais des vidéos de Brawl Stars, voilà. Une le samedi et une le mercredi. Et là, cette semaine, j'avais envie de changer, de rester dans Supercell. Mais j'avais envie de changer de jeu. Samedi, on est parti sur Heyday Pop. Et là, on fait un retour sur Clash Royale. Donc voilà. D'ailleurs, si la vidéo n'est pas sortie à 18h, excusez-moi. J'avais beaucoup de choses de prévues. J'avais beaucoup de projets, que ce soit sur YouTube ou même dans la vraie vie, en fait. Donc voilà. Mais bon, là, on a perdu le match. Ouais, franchement, ce deck, je sais pas du tout le gérer. Toutes ces nouvelles cartes, c'est chaud. Ok, les poteaux, je me suis fait un petit deck. On va partir en élixir illimité. Ça s'appelle élixir illimité de Legendary. Ouais, on va essayer. Ça a l'air cool. Franchement, ça a l'air vraiment très très cool. Un élixir illimité. Je sais pas ce que vous en pensez. Hein. Je sais vraiment pas ce que vous en pensez. On va partir comme ça. On va mettre un méga chevalier de l'autre côté. On part avec un sorcier. Mais regardez, j'ai à peine posé une carte que je suis déjà full. Je pose carte sur carte là, c'est trop bien. Ouh là là, c'est génial. C'est vraiment génial. Non, bombarde à gauche, lui bombarde à droite. Ouais, on ferait peut-être bien défendre un petit peu là. On va continuer de mettre une pression. Mais là, il nous fait mal. Hein. Là, franchement, il nous fait très très mal. Notre ballon, j'espère qu'il va pouvoir taper là-bas. Faut défendre, faut défendre. Faut pas qu'on prenne cher. Vite, 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 vite. Faut défendre, défendons, défendons. Allez. J'ai remis un ballon normalement là-haut. Ça tape. On met un rage. Même pas le temps de mettre le rage. Bah, les poteaux, la victoire est facile. La victoire était vraiment très simple. Ça va très très vite. Hein. Un x7, ça va vraiment très très vite. Donc voilà les poteaux, je crois que la vidéo est terminée. C'était le retour sur Clash Royale. Donc on a redécouvert un peu Clash Royale. Mon deck fonctionne toujours. Les nouvelles cartes, je ne sais pas les jouer. Le jeu, il est franchement très très bien. Quand vous faites une pause sur un jeu et que vous y retournez, eh bien vous avez envie de continuer à jouer, jouer, jouer et encore jouer. Donc voilà les amis, c'est la fin de la vidéo. Merci beaucoup de l'avoir regardé jusqu'au bout. N'hésitez pas à liker la vidéo si celle-ci vous a plu. Abonnez-vous, activez la cloche. Et moi, je vous dis ciao tout le monde et à plus dans une nouvelle vidéo. Ciao !